Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Alors moi c'est Lou, si jamais vous ne me connaissez pas, je vous écris un petit message pour juste pour vous inspirer un petit peu, pour vous dire que si jamais vous avez envie de créer votre business en ligne, eh bien il y a la coach de Gudrun, Sigrun, qui crée un programme qui s'appelle le Online Turnaround et qui vous apprend en fait à passer online avec toutes vos activités offline. Donc vous allez apprendre pas à pas à créer une offre, la vendre et surtout utiliser les outils techniques pour la vendre. Donc tout ce qui est automatisation, marketing, trouver votre client idéal, toutes ces choses qui pour moi sont un petit peu du chinois. Je commence à l'apprendre et à le comprendre. Et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler avec Gudrun parce que je sais que ça lui tient beaucoup à cœur. Elle fait ça elle-même et elle veut nous inspirer, nous, en tant que porteuses de lumière, à aller plus loin et à nous développer et à créer de notre passion notre profession finalement. Donc voilà, si vous avez des questions sur le programme, si vous hésitez, n'hésitez pas. C'est un investissement que vous faites sur vous-même. Voilà, moi, j'ai rien à gagner dans l'histoire, hein. Je ne vous dis pas ça pour, pour une raison quelconque, autre que juste pour vous informer et vous motiver. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais par contre, il faut être motivé, il faut suivre et il ne faut pas dormir et être non proactif. Voilà, il faut être proactif. Vous êtes coaché, vous êtes encadré, mais il n'y a personne qui vient vous botter les fesses. Donc c'est vraiment pour... Il faut que vous soyez déjà prête à vous engager et prête à le faire. Il faut qu'au fond de vous-même, vous sentiez que c'est le moment et que vous sentiez que c'est la chose à faire pour vous. Et alors, bah moi, je l'ai senti, en tout cas, ça faisait un moment que j'y pensais. Et là, c'était l'occasion parce qu'évidemment, tous mes cours hors ligne étaient annulés. Et donc, il fallait bien que je trouve une solution. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pérenne de garder uniquement une activité offline qui, en plus de ça, requierait que je sois capable de danser des dizaines d'heures par semaine toute ma vie. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, il fallait que je puisse trouver une solution à ça. On ne sait jamais, hein, nous les indépendants, si on se casse un pied, si on ne sait pas danser, si on est malade, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre, il y a de l'argent qui continue à sortir. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, je vous fais des bisous à toutes. Et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de trouver votre chemin, de trouver votre lumière et que vous êtes inspiré, que vous ne vous laissez pas abattre par la situation et qu'au contraire, vous trouvez des solutions pour évoluer, pour changer des choses dans votre vie. Voilà, des choses positives évidemment. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mouah.